Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait une petite pause sur Destiny, comme vous pouvez constater. Bon, c'est vraiment voulu, hein, puisque il n'y a plus trop grand chose à faire pour un joueur vétéran comme moi. Donc, je m'ennuie un petit peu grave. Maintenant, je me dis, ouais, pour ceux qui sont un peu plus novices dans le jeu, peut-être pourquoi pas refaire des petites présentations au build ou je sais pas, autre chose. Ou des démos game PvP, etc. Donc, on va parler d'un build ici, Staz. Alors, je l'ai jamais présenté ce build, mais ça vaut mieux pour moi que le build avec les Brady. Bah, c'est moins toxique et c'est plus, voilà, c'est plus fun à jouer quand même. Hein. Voilà, c'est un peu moins cancer. Mais ça reste très bon à jouer. Donc, ici. Pour ce build, on va commencer par la doctrine. Donc, bah, le super, vous n'avez pas le choix. L'esquive du parieur, moi je joue. Je préfère que l'esquive du snipe. Maintenant, c'est comme vous voulez. Puis en vrai, ouais, l'esquive du sniper, ça peut être pas mal, mais bon. Saut directionnel avec lame sanglante et grenade coup de froid. Ou alors la grenade à choc crépusculaire, c'est vous qui voyez. Alors là, au niveau des aspects, c'est à partir de là. Là, vous faites un peu ce que vous voulez, vous faites votre truc à vous. Ici, c'est à partir de là qu'il faut bien mettre ce que je mets. Donc, touche hivernale. Donc, c'est vos grenades glaciaires à choc crépusculaire et à coup de froid soient améliorées. Donc, choc crépusculaire, coup de froid. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est. Choc crépusculaire, ça fait un cristal de stase, on va dire. Au milieu. Alors la grenade coup de froid, c'est le tracker cri à cristal de stase avec la détonation et fait un enchaînement supplémentaire. Donc vous avez voilà un tracker en plus. Et alors je joue le voile de l'hiver qui lui fait esquiver ralentir des cibles à proximité. Alors pour ce qui est des fragments, là je vous conseille les quatre que je joue. Donc c'est le murmure de la conduction, les éclats de stase à proximité trahissent votre position. Lorsque vous êtes à proximité de cibles, murmure de chaîne, gelée ou de cristal stasique allié, les cibles vous infligent moins de dégâts. Murmure de fragments brisé à cristal stasique augmente temporairement la vitesse de recharge de vos grenades. Briser des cristaux stasiques supplémentaires augmente la durée de ce bonus. Alors, le ralentissement que vous infligez aux cibles dure plus longtemps. Toute la capacité qui persiste dure également plus longtemps. Donc ici. Comme il s'agit de briser un cristal de stase, je vous conseille plus quand même la grenade à choc crépusculaire, évidemment. On va dire que c'est une de celles qu'il faut jouer. Maintenant, dans certaines situations, on va plus sortir la grenade coup de froid. Voilà. Alors, je vous laisse regarder 2 secondes, puis je change pour vous montrer un peu les combinaisons d'armes qu'on peut jouer et la base du build. Donc la base du build tourne autour du Bacchris, si vous l'aurez compris. En stase, il n'y a pas grand-chose en fait, en vrai, en équipement. Pour le chasseur, du moins. Alors le Bacchris, ben, qu'est-ce qu'il fait? C'est remplace votre compétence d'esquive de doctrine stasique par un déplacement plus rapide et à plus grande portée, qui vous dissimule partiellement pendant son utilisation. Après le déplacement, vos armes stasiques et cryoélectriques infligent plus de dégâts pendant une courte durée. Donc vous aurez compris la base du build ici, ce qu'on va viser alors du coup, c'est jouer les armes stasiques et cryo. Donc il y a plusieurs combinaisons d'armes que je vais vous proposer. Donc il y a l'irréfléchi avec la tru qui marche très bien. Franchement, l'irréfléchi, je suis agréablement surpris de la force de ce sniper en PvP parce que franchement, je pensais pas mettre misère comme ça à l'adversaire avec un sniper comme ça. Je pensais que c'était plus un snipe PvE, mais honnêtement, il tient bien la route. Et la tru, ben, voilà, c'est pistolet, mais il tient méga bien la route. En oh, cryo, je crois que c'est le meilleur. Hein. En PvP. Alors, comme combinaison d'armes, je vais vous proposer, moi, soit le IAS Luna, par exemple, avec le Matador. Je ne l'ai pas sur moi, c'est bizarre. Ah, si. Matador avec Eyas Luna. Vous pouvez très bien jouer un syncope avec Eyas Luna. Syncope, pardon.
Excusez-moi. Cinq avec Matador. Je vais y arriver. Cinq avec Matador. Alors, vous pouvez très bien jouer à Tempête Infinie avec une adoration. Je ne l'ai pas équipé sur moi. Non. Ben, vous pouvez très bien jouer à Tempête Infinie avec une adoration. Vous pouvez très bien jouer à Yas Luna avec une adoration. Donc, il y a pas mal de combos. Hein. Il y a aussi le Fractété, ce que vous pouvez jouer avec une arme secondaire cryo quelconque. Donc, voilà. Il y a quand même pas mal de choix qui s'offrent à vous. Pour le PVP, et c'est de très bonnes armes que je vais vous citer quand même. Donc maintenant on va passer au mode. Alors pour le casque je joue, bon le premier mode vous jouez ce que vous voulez, c'est pour essayer d'avoir le sort de mobilité, le sort en discipline et le sort récup. Voilà, il manque pas grand chose pour avoir le triple sort. C'est ce que mon Bacris, je vous avoue, il est un peu affreux en vrai. Mais j'en ai pas eu de mieux, donc voilà, j'en ai eu 4-5 des Bacris, mais c'était celui-là le mieux. Donc voilà. Dans les gants, vous allez jouer Ravitailleur Cryo, Ravitailleur Stasique, le torse, les visées imperturbables Stasique et les visées imperturbables aux armes Cryo. Dans les jambes, vous allez jouer Surcharge d'armes Cryo avec l'étui Cryo électrique et l'arbre de remise en état. Et dans la cape, vous allez jouer un double bombardier. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer une vidéo démo de ce build. Et j'espère que vous allez apprécier le jouer. Et je vous dis salut, ciao, bye bye. Il faut se couvrir là, il y a un qui désamorce. Vas-y, je te couvre. Ça arrive derrière toi, ça arrive. J'ai tué. Ils sont à deux derrière. Ils ont des armes devant moi. Dire qu'il va jouer son cadet, il va courir tout le long de la map quand même l'autre. Je sais pas, je crois qu'il joue son cadet, c'est. Je crois c'est ça. Hein. Non mais il y en a, ils sont graves quand même, sérieusement. Ah bah non, bah, il a pas joué. Mais il n'y a pas eu le temps, on l'a rushé à deux, on l'a pris sans douche, c'était mauvais. Oui, il y avait Fry, je me rappelle qu'il y avait Fry. Bah, ouais, je sais pas. Il y en a un sur moi là. Il court après là. Ouais. En plus, tu jouais ça. Je couvre les lourdes. Le chat était Je clairement. couvre les... Je couvre les lourdes parce que. Ah non, il est avec Bah, nous. même là, t'as. Ah, Il je est l'ai mis avec avec nous, nous. bon. Bah, il est avec nous, mais on verra bien. On verra bien, parce que l'autre, elle a pas l'air mauvais non plus, donc je suis curieux de voir. Si c'est un pur Farest, il doit être meilleur. Si c'est pas. Si c'est un qui se fait carry, bah, on va le voir direct. Hein. Vas-y. Oh merde! Ouh là, il y a mon arc à l'intérieur. Ouh là 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 là. Hein? Mais tu quoi? Le rose, oh non. Ouais, ça va. Enfin, je sais pas, on verra bien fin de game, on verra bien la différence entre lui et moi. Les pixels. Ouais, bah là je vais lui mettre une hot quelque chose là. Là j'ai mis une hot, tracasse pas. C'était hot ce que je lui ai mis. C'est un petit pistolet, je l'adore les trucs, franchement il est trop beau. Je te jure. Un exo, cryo. Ah
Ah, c'est... Il est trop bon ce truc, je te jure. Oh, Tiazian, il aime bien faire le hot, mais il est pas hot. Dernier... Oh, compète, dernière parole avec. Il y a une suceuse sur B. Hein. Bah, tu me comprends quand je dis une suceuse. Putain, t'as fait carnage avec toi. Je l'adore, Polo. En fait, tu sais, j'ai réaction en chaîne dessus. Ah ouais. Il était concentré sur moi, celui-là. Chier, le taxo qui est pris de merde là. Quand, qui est pris quand il met son mur là, tu vois? Il te lance une vague solaire et il te one shot. Ouais, ouais. Bien essayé. Ouais, ouais, j'ai rien fait dans la game. Hein. Et Matt, si tu veux faire du compète après, si tu veux monter. Alors, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas joué, j'ai même pas eu la mise à jour. Enfin, je peux peut-être la lancer là maintenant, mais bon, je sais pas. Bah, tu sais, moi c'était pareil, hein, ouais. J'ai avancé le compète avec. Impossible d'installer cette mise à jour, bah il veut pas. Ça. Quoi, une info d'erreur, mec. L'information. C'est quoi le problème, boy? Les 5 codes d'erreur, il veut pas me mettre. La mise à jour application a échoué. Pourtant, j'ai fait une mise à jour de 5, mais je pourrais pas. C'est une game de merde, ouais. Il a mis sa paille là au-dessous, le PD. Il a, pas... il a même pas mis son lavé, ça va. Mais... Je m'en fous qu'il. Bon, après, on peut pas trop faire. Ouais, qu'il vienne. Bah ouais, mais il faut pas aller sur la baie. Faut s'écarter tout en couvrant la baie, quoi. Pas où il y a la faille, quoi. Faut être un peu plus malin avec eux, ça c'est sûr. Je peux pas faire. Normalement, les mecs sont en dessous, quoi. Alors, si je ne faisais pas, je peux pas lancer un peu de calme, mais les mecs sont en dessous. Ah bah oui. J'y arrive pas, j'ai plus le... Ça va, on monte là. Ouais, mais bon, je suis pas très bien. Là, ce qui me fait chier, c'est que je joue comme une dobasse, ça fait trop pour le jeu. Si il est pas venu en attente, quoi. Pour le pote. Ah, il a mis sa faille sur la zone, il a mis sa faille sur la zone. La bulle ça va, la bulle. Au moins tu peux pas tirer dessus d'un de ta bulle, mais la putain de ça est quand même. Oh, c'est plus super. Les mecs vont rester dans le tournoi. Même moi je joue plus avec, c'est pour te dire. Ah, moi je n'ai jamais aimé. Je trouve qu'elle est vraiment relou. Oh, ouais. Garance, mais là je joue comme de la merde. Ça, je vois pas.
trop lent en fait. Ça fait le temps de me remettre dans le truc, mais là, franchement, c'est vraiment super lent. Ah ouais.